Tu as commencé à attaquer. Oh, il t'attaque là, je crois. Là, je vais mettre mon beau bouclier aussi, tiens. On fait le plaisir. Ah ouais, je le quitte. Ah ouais, ça prend pas. Ça va, ça. Surtout que tu vas l'utiliser plus souvent parce que ça protège vachement bien en fait. Ah oui? Si t'es dedans, ça te protège aussi, hein. Ouais, je suis pas dedans, là. N'empêche, et regarde, j'ai pas eu un seul dégât. Je peux pas dire, mais leur droïde Isotope 5, c'est un peu de la gnognotte, hein. C'est à moi. Bon, ouais, vas-y, allez, fais-le. Ça peut faire plaisir. On nous attaque sur la place centrale. À l'aide, dépêche. Dépêche. Elle a pas fini, elle a pas fini sa phrase. Bah non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je sens qu'on va se friter avec plusieurs... Enfin, nous allons affronter plusieurs druides monstrueux de ce Toboro. Il s'appelle comme ça, il s'appelle Toboro, c'est ça, non? Le hat. Alors, voyons. Par où faut-il passer? On va descendre? Ouais. Ah, par les escaliers ou pas? Bah, le droïde d'assaut, là, déjà. Ok. Bon, nous sommes revenus en ville pour aider la mère, Madame le maire. Il a crié au secours, au secours. Dépêchez. Ah, bah voilà. Faites face au capitaine Balog. Il y aura un canon pareil déjà. Ah oui, d'accord. Capitaine Balog déjà. Avec un nom pareil, c'est pas facile de pouvoir parler avec lui. Hein. Monsieur Balog. Ah, c'est un Chiss, t'as vu? Un Chiss impérial. Voyons un peu ce qu'il nous veut. Mourir comme les autres, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu peux être violente et cruelle? Chut. Oh. C'est assez loin. Merci. Attention, vous mettez les pieds, capitaine. Je ne suis pas le loup du néant et ce n'est pas un duel de petites frappes. Par pitié, cette messa va s'effondrer au prochain séisme. On va tous y passer. Alors ne perdons pas de temps à négocier. On n'a pas fait de mal à vos concitoyens. Tout ce qu'on veut, c'est l'isotope 5 qui servait à alimenter les droïdes. Ouais, ils sont envoyés par la furie de l'Empereur. Qu'est-ce que l'Empire sait sur l'isotope 5? Il y a erreur sur la personne. Je ne sais pas ce que c'est cette substance, et ce n'est pas mon problème. Je ne fais que suivre les ordres pour récupérer les échantillons. Ah bah ouais, mais non. Ah bah voilà. Pas le temps de débattre. Laissez-nous l'isotope 5, ou on se verra forcé d'exécuter les prisonniers. Personne ici ne veut que ça arrive. Bah non. Bah ouais, mais là, bah oui, bah tant pis alors. Je peux pas vous laisser tirer sur des innocents, ça risquerait de faire des ordres. Je ne vous le fais pas dire. Soldats, n'abusons pas de leur hospitalité. Eh merde. Notre isotope 5 vient d'être capturé par des impériaux, super. Eh ouais. Je pensais qu'on était plus grillés qu'un vieux réacteur. Merci. J'adore son phrasé. Ça doit pas être facile de laisser s'enfuir des impériaux. La République ne met pas la vie de ses citoyens en danger pour remporter une dispute. Quand Shalim vous a confié Makeb, j'avais des doutes. Mais finalement, j'ai aucune raison de me plaindre. Bah, on ferait mieux d'y aller. Je préviens Shalim qu'il y aura des blessés. Madame le maire, content de vous voir en vie. Vous devez avoir la situation en main. Shalim, écoutez. On a croisé une brigade d'impériaux. Ils ont dérobé un échantillon d'isotope 5. Comment ils savent que ce truc existe? Comme si on n'avait pas assez d'ennuis. On évacue Tarlam. On emmène les blessés avec nous. On a des médecins qui vous attendent à un centre de réfugiés. Emmenez vos concitoyens là-bas.
J'ai établi un nouveau campement près du chantier de l'Arche. Vous avez les coordonnées. Retrouvez-moi là-bas qu'on décide de la suite. Bon ben voilà, on a terminé, vieille querelle. On arrive, Shalim. Vous avez déjà une idée en tête ? La République nous a envoyé un brillant ingénieur pour étudier les plans de l'Arche. Il a découvert des choses intéressantes. Faites vite. Ouais. Eh bien, nous allons arriver le plus vite possible. Bon ben voilà, vieille querelle terminée. Il faut juste rejoindre le nouveau campement de Shalim et on pourra faire la conversation. Bon, alors faisons machine arrière, nous avons regrimpé le long des archives et on pourra parler à la personne qui s'appelle donc l'archiviste Varus. Je pense que c'est une héroïque, hein, mais bon, on va bien voir. S'il vous plaît, baissez-vous. Personne ne vous a suivi. Tous ces mercenaires sont à ma recherche. Ça ne suffit pas aux Huts d'arracher le cœur de Makeb. Ils veulent aussi s'emparer de notre âme, de notre histoire. Ces Huts envoient leurs mercenaires pour dérober nos plus vieilles archives et antiquités, tous nos secrets. Je dois sauver ce que je peux. Ça sent l'arche, ça sent la, l'héroïque. Hein. Makeb a beaucoup à offrir à la République. On ne peut pas laisser cette catastrophe détruire ce qui rend votre peuple unique. Non, car les répercussions seront plus grandes qu'on l'imagine. La collection administrative de nos archives culturelles compte des centaines de documents secrets, militaires, politiques, financiers. Évidemment, son accès est bien protégé. Mais les Huts ont engagé des techno-adeptes de Yablari, des mercenaires anomides experts en données. Ils sont déjà en train de piller les archives. Oh, c'est bête. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider ? Ben... ouais. Les Huts doivent apprendre qu'ils n'ont pas le droit de tout prendre sur Makeb. Je m'en occupe. Voici les documents qui ont le plus de valeur. Si on pouvait retirer les antiquités également... Ah, Varus, espèce de vieux fou sentimental. Je devrais me concentrer sur ces documents. Mais si je dois rechercher autre chose, dites-moi. Eh bien, les outils du charpentier y sont exposés. Les premiers colons ont démantelé leur vaisseau pour en faire des outils, vous voyez. Et ils ont creusé les premières mines avec. Mais les documents ont une plus grande valeur stratégique. Bien sûr, les techno-adeptes chercheront également ces documents. Ne les sous-estimez pas. Je dis, ça sent l'héroïque, tu vois pourquoi, mais... Ouais. Héroïque de plus, voilà, pour mémoire. C'est-à-dire qu'on peut le faire si on veut, plus tard. Ouais. Bah, il faut que je pense, la prochaine fois que qu'on a une conversation comme ça, de changer de partenaire, en fait. Ah, pourquoi ? Bah, parce que là, je gagne des points avec Corso qui me servent à rien, alors que si je mettais un autre partenaire... Ah, peut-être, ouais. Des points, je les gagnerais, quoi. Bon, alors, soit on va rendre la mission vieille querelle à Shalim, soit plus tard, on fait l'héroïque plus tard, comme tu veux. En fait, il y en a deux. Il y a l'héroïque et les outils de charpentier. Il y a deux missions. Ouais, ouais, il y a un bonus avec, ouais. Voilà, c'est ça. Une mille, on va rendre la journalière et puis... Bon, ben... Ah, moi, je crois que j'ai pas... ah non, j'ai oublié de prendre le... Je vais y aller à pied. J'ai oublié de prendre le téléportation automatique. Donc on va rendre la journalière, puis on rendra vieille querelle plus tard. Les régulateurs, on vous emmerde tous. On est sur nos Solex et on vous emmerde. Les gros Solex de la République. Prout, 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 prout. Bon, allez hop. Ah, ils vont t'arrêter, je pense, à mon avis, non ? Ah non, même pas. Pour l'instant, non. Après, si j'en ai trop, peut-être que wow, si. Waouh, la vache. On est résistant, hein. Voilà. Ils arrivent. Ah, regarde, ils vont être attaqués par les autres. C'est excellent. Ah, trop bien. Tout le monde repart à sa place. Ah ouais, tout le monde repart à sa place. C'est excellent. Oh, joli. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas. Tu peux pas quoi ?
Prendre ma mission, j'ai pas de place. Oh, c'est trop bête. Oh, faut dire que j'ai un inventaire, il est plein. Et bah, hop là, oh, une petite photo avant d'arrêter. Voilà. Elle est très jolie celle-là. Elle est très très jolie celle-là. Voilà. Et voilà.